Et nut, YouTube. J'espère que vous allez bien. C'est Elphoris, petit gamer manchot à votre service. On est aujourd'hui sur l'épisode 2 de Ghost of Tsushima. On s'est laissé donc du coup au dernier épisode à la rencontre de Jin Sakai, Sakai Jin, qui est notre héros principal, dont l'île de Tsushima se fait envahir par le peuple mongol, l'empire mongol, et par un khan, Khotun Khan. Et en gros, il vient de se faire jeter d'un pont par Khotun Khan en essayant de sauver son oncle. Oui, bon là pour l'instant c'est un peu à loser pour l'instant, hein, mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je disparais et je vous laisse la cinématique où on s'en était laissé. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, allons-y. Oh, on le rejoue petit. On le rejoue petit. Ah, cool. J'aime bien ces petits flashbacks, c'est sympa. Bon, par contre, on peut que marcher. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on peut les renvoyer? Merci Yuriko. Allons-y du coup. Marchons dans la boue et le vent. Merci, c'est très gentil, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oh, cette scène est folle. Cette scène est très sympa niveau mise en scène. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mon oncle. Jin, それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておこれを父と思え私の砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。Les visages, les détails sur les visages et les mouvements des visages sont fous. Thank you.
Là, ça fait pas aïe les yeux. Ça devrait, hein, faire aïe les yeux. Suivez le vent. Ok. Faudrait savoir où va le vent déjà. Il a l'air d'aller par là, le vent. Je sens qu'il va falloir chasser. Ça, par contre, ça va être autre chose. Hé hey ! Coucou, toi ! Elle est là, la Yuna ! Shimura-dono o mitsuke, otasuke shiyou to shita ga, aenaku han ni. おじ上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ちわかるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。 生き延びるためならなんだってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても帰り討ちに遭うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。 C'était limite, hein. C'était vraiment limite, parce que là, ils sont vraiment partout, hein. Donc on peut se cacher dans l'herbe haute. Effectivement, ils sont très très proches. C'est bon, ils sont partis. Oui. ああ、主の元に戻るよう、しつけてやれ。すごい。お、ナイス。もう、俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまで、そばを離れるつもりはないよ。ではまず火星を得ねばな。腕が立つといえば。 石川先生や足立雅子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。 Je sais pas encore quelle voie je vais prendre. Est-ce qu'on va essayer de faire la discrétion ou est-ce qu'on va essayer de faire autre chose? Je ne sais pas trop. Oh là là. Ah
C'est pas du tout où il veut qu'on aille, hein. Oh, le jeu est vraiment beau en vrai. Le jeu est ultra beau et ultra stylé. Ok, alors voyons voir. Donc là on a le vent en haut. Sur le côté on a les photos, donc ça on s'en fout. Mais on peut appeler le vent pour qu'il nous guide en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Exploration de Tsushima, appuyez sur option, pardon, pour afficher. Ok, alors voyons voir. Je rappelle que l'île de Tsushima existe, hein, vraiment. Hein, c'est pas une île qui a été inventée comme ça, c'est une île qui justement a des gros problèmes. En fait, parce qu'elle appartient aux Japonais depuis très longtemps, mais il y a eu une période chinoise et il y a eu une période coréenne. Et donc du coup, forcément, c'est un territoire qui se fait un petit peu attaquer de toutes parts, même encore aujourd'hui, hein, elle reste l'œuvre de beaucoup de tensions. Alors, explorer Tsushima pour découvrir de nouveaux lieux. Ceci est un récit. Alors c'est ce qu'on va faire en priorité, les récits. Hein. Terminez des récits pour bâtir votre légende et acquérir de nouvelles ressources et capacités. Ok. À mesure que votre légende grandira, vous apprendrez de puissantes techniques. Ok. Donc là, il faudrait plus que j'aille au nord, du coup. Donc moi, j'irai plus là. Ouais, on va aller là-bas. Voilà, donc il faut revenir en arrière du coup. Suivez le vent directeur. Faites glisser votre doigt. Ah, pas mal ça. Ça a l'air d'être par là. Ah mais c'est pas mal du tout ce truc là en fait. Une personne morte. Je vais ramasser des provisions. Désolé, madame. Monsieur, je ne sais pas. D'accord, il y a un village juste à côté. J'ai arrêté de galoper parce que... Je regardais un petit peu. Auberge du relais voyageur, territoire mongol. Évidemment. Pour l'instant, on va pas s'occuper de tout ça. On va avancer. Le jeu est magnifique, vraiment. Je vais pas arrêter de le dire, je pense, mais... Ce jeu est vraiment beau. Qu'est-ce qui lui arrive? Où est-ce que... Attends. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Ketchy! Ah, c'est directement Ketchy, d'accord, ok. J'avais pas fait gaffe à ça. Comment on descend de la monture? Ah, il descend tout seul. Bon là je peux y aller normalement. Ouais, tout à fait. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe, Yuna? Kuru nara hayaku kite. Ayaoku shinu tokoro datta. Moko ga hori o tsurete Kawakami ni mukatta rashii. Kajiya o mitatte hito mo iru. Ototo ko. Moshikashita da ne. Kaneta no iriye no chikaku ni yaeya ga aru tte kiita. Basho nara wakaru. Le code du guerrier. Bushido. Ok, alors allons-y. C'est par là. Ta facture de Komoda, territoire mongol, je suppose. Ah non. Pas encore. Okay. Les ressources, la provision, on prend toujours. Bon, allons-y. Allons le sauver, pour l'instant on va suivre comme ça la route. Ça a l'air d'être par là. Ah,
Désolé, hein, le vent souffle beaucoup. Attends. Tu m'excuses deux secondes. Ah, bah voilà, il y avait ça avec. Voilà. J'ai bien fait parce que je voulais regarder la map, mais du coup, c'est nickel. On est dans le bon sens. Les ressources et objets que vous collectez sont rangés dans le menu collection. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, du coup? Les différents trucs. De l'équipement, enfin, merci. On va avoir des charmes aussi qu'on va pouvoir utiliser dans les sanctuaires Shinto et en terminant les récits de Tsushima. Ok, et on pourra en débloquer d'autres par la suite. Des charmes mineurs. Ok, on a la tenue. Avec des emplacements de casque et de masque et l'armure. Et des accessoires avec la selle et de la musique. Tiens. Les ressources que vous collectez sont rangées dans votre sacoche. Ok, donc on peut créer ensuite des choses, je suppose. Ah non, d'accord, c'est ce qu'on a là. Vous pouvez être chargé auprès des trappeurs, forgerons, armurières et factrices d'arc contre d'autres sources et améliorations et le bambou. Ok. Ok, très bien. C'est bon à savoir. Attends, il y a encore des ressources ici, je suppose. Non, il n'y en a même pas. Ah, mais... Ah, on peut sauter du cheval, par contre. Ça, c'est une nouvelle. On peut vraiment sauter du cheval. C'est intéressant, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ah si, je voulais voir la flûte. Bah, joue. Pff, ok, d'accord. Oublié. Vraiment oublié. Ouais, je sens que ça va être là-haut. On se rapproche du camp tout doucement mais sûrement. Honnêtement, hein, passer le pouce sur l'écran tactile pour faire souffler le vent, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est toujours par là, c'est un peu plus haut. C'est franchement pas mal du tout. Hein. Là, on est en train de s'éloigner, je suppose que c'est par là. Attends, oui c'est ça. C'est tout à fait ça. Non, on s'éloigne là, donc c'est par là. Attends, c'est où exactement? Parce que même là, en fait, on arrive à se perdre. Parce que c'était pas loin. Il me disait que là, c'était pas loin. Ah, voilà, ça doit être là, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a une faille par où? Par là, c'est ça? Observez le camp prisonnier mongol. Et parce que si on arrive là, en gros, là, je pense qu'il est en train de nous dire, si on arrive ici, là où il y a les cercles, c'est pas très bon, c'est ça? Je sais pas du tout. Ah non, il faut que je me mette dessus, d'accord, j'ai rien dit. C'est pas faux. Intéressant ça.捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不問でもあるのかい。この島はかつて賊が野さばっていた。しかし武士が乱を鎮め、正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。 かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。おじ上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。マルカンポイント。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。 Elle marque un point.
タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。ああ、ねえ、フェパジョーコ。やはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。 Ah oui, effectivement, ça c'est un trou, mesdames et messieurs. Mais il y a des gens à l'intérieur. Il y a une personne là-bas. Il y avait le garde en haut tout à l'heure, je suppose qu'il y en a toujours. On va voir, hein, mais... Je suis pour l'assassinat dans ce genre de situation. Oh oui, joli. C'est vachement discret. Ah, quoi? Non mais attends, on va pas avoir un flashback maintenant. Est-ce que c'est vraiment le moment? Non mais sans déconner, un flashback maintenant. Ok, il est passé par là-bas, on va devoir faire attention, vraiment. On n'est pas des barbares, mais il y a des trucs qui ont été faits des fois. Proche. Très proche. Regardez le petit trou. Le petit trou de. de Shimura. Il est prêt pour le marathon. Il est prêt. Oh, ce petit trou dégueulasse. Il va être juste derrière là. On parie. Il est parti très très loin cet ours. Je sens qu'on va apprendre à jouer à l'arc. Et là par contre, ça va me plaire. Je vais kiffer, si c'est le cas. Il est par là. Petit ours, il est par là, petit Kuma. Est-ce que c'est un monokuma? Ça, c'est autre chose, mais. Je sens qu'il ne va pas être prêt. Il y a quelque chose qui l'a attaqué. Ah bah voilà. Je
Avant qu'il se vide de son sang, s'il te plaît.敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。 Oups. Je crois que j'ai enfin enfreint le code. Oups. Jin, doushita? Taka o sagaso. Ah, tu vas le laisser là pour que tout le monde puisse le voir. Oups, pardon. Bon, après, on peut toujours se battre avec honneur une fois qu'on aura fait ce qu'il faut. Appuyez sur le pavé tactile pour utiliser l'écoute tactique. Ok. On en a un ici, un au fond par là-bas. L'écoute tactique. Eh ben dis donc. Ça, mesdames et messieurs, c'est du progrès. On pourrait passer là-bas du coup. Je pense non. Non, on peut pas. Donc ouais, on va être obligé de passer. Mais quel con. Alors attends, si on peut pas passer par là, on va essayer de l'autre côté du coup. On va y aller doucement, histoire que on ne nous veut pas. De toute façon, lui ne nous veut pas pour le moment. N'est-ce pas? Tout à fait, tu ne nous veux pas. Comme ton copain là-bas, il y en a un autre tout au fond. Ils sont au moins trois. Pardon. Ah, ça va être difficile de passer par là. Il y en a un ici. Ouais, et ça va être difficile de passer par là. C'est embêtant. On va devoir l'assassiner, lui, du coup. Mais ses copains pourraient rappliquer. Ils sont deux au fond. Deux au fond, et je sais qu'il y en a un par là, qui est debout. Par contre, niveau détermination, ça se pose là. Hein. Ah, il est là-bas. L'archer est tout au fond là-bas. Alors, si j'arrive à passer sans me faire remarquer... Déjà, je vais pouvoir récupérer des trucs. Lui, je vais pouvoir le tuer. Nice. Donc, un ici, il y en a un autre qui est parti au fond là-bas. Il n'y a personne en haut. Quoique, c'est pas un archer là-bas? Non, c'est pas un archer. Il n'y avait personne à la tour. Ça, c'est une grosse erreur, par contre. Ça, c'est une grosse erreur tactique, les amis. Ouais, il est occupé à faire autre chose, au fond. Pousse-toi, Yuna. Je sens qu'elle va être chiante. Oh! Alors ça, ça a été complètement au hasard. Mais alors? Mais alors, complètement au hasard.
Ok, alors attends, avant d'ouvrir. Bah attends, on va déjà lui ouvrir. Hein. Malgré tout, on va lui ouvrir. Est-ce que ça va pas rameuter les autres gardes? Je n'en sais rien. Ah non, il est mort. Ah, j'avais pas vu qu'il était mort. Du coup, ça nous sert pas à grand chose. Où sont les autres? Parce que là, pour l'instant, je n'entends rien. Et ça, ça ne m'inspire pas beaucoup la confiance. Tu paries qu'il va sortir d'un endroit par là. Ah putain, il y en a un là. Un à l'intérieur de la hutte. Il y a des trucs. Non, non, tu attends. Tu attends deux secondes. Faut que je vois si je peux me glisser quelque part à l'intérieur de la tente. Ouais. Ça tombe bien, il n'y en a pas d'autres. On est bon, je vais pouvoir ramasser tout ce qu'il y a ici. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Oh là là, il y a tellement de choses. Un témoignage. Je ne sais pas ce que c'est. Un artefact. Apparemment aussi. J'ai bien fait. Un artefact mongol. Des provisions. Des provisions. Des provisions. Et des... provisions, vous avez tout compris. Bravo. Alors. Maintenant, allons-y. Je regarde juste s'il n'y a personne derrière. Mais apparemment non, puisque j'en viens. Je suis un peu bête. Première mission plutôt simple pour l'instant, hein. Après, ça va peut-être être pour sortir ou ça va être plus compliqué. Chapeau de paille. Chapeau de paille. À la rivière, donc il faut descendre du coup, si on veut aller à la rivière. Ok, pour l'instant il n'y a pas de. Pourquoi toi non? Près des prairies de Kishi. Donc là, on vient d'éradiquer un camp easy, quoi, en fait. Ok. Je pense que ça va être plus compliqué après, hein. Clairement. C'est bon? Ok. ポリオが移されたって言ったね。どこだ?アザモウロがどうとかって。そういえば、カジヤの男を見た。若くて、ヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。カジヤが見つかるといいな。高が友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それからおじ上だ。ジン。タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人でしまおうてたい。もうこのことならば案ずるな。おじ上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。 故郷は私と鷹がいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。やあ、わら。私はファンダムにうまみフィックパピリオン。 Excusez-moi, j'ai complètement oublié d'enlever les alertes. Voilà YouTube, vous avez eu un petit cadeau, c'est gagné. En tout cas, non, t'inquiète pas Valkyrie, c'est de ma faute. Et merci Valkyrie. On reprend du coup. Ça va, tu vois, t'étais à la fin, enfin, à la fin de la cinématique.
民川の世を民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己の戯言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。陣。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。 追いも時期見つかろう。堺は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己の下辺にはさせんぞ。 Ok! Et ben du coup, on a terminé cette partie, c'est parfait ça! Point de technique acquis. Ça, c'est pas mal non plus. Alors, vous avez remporté un point de technique, servez-vous-en pour apprendre de puissantes techniques, qui vous permettront à vaincre les Mongols. Donc, on a la déflexion, appuyez sur L1 juste avant d'être touché, appuyez sur. Ouais, pour contre-attaquer directement, d'accord. Et l'esquive, roulez au sol pour éviter les attaques ennemies. Ça peut être pas trop mal ça. Je sais pas trop. Parce que là, il y a un truc de soin juste en dessous. Je pense que c'est si je bloque, je gagne du soin. Ce serait vraiment pas mal. On va prendre la déflexion. Parce que je sens que la parade est ultra importante dans ce jeu. Et voilà, parfaite, parade parfaite curative. C'est ça que je veux. Alors après, il y aura des postures de combat. D'accord, et on pourra choisir les postures. Oh putain, on n'est pas dans la merde, on n'est pas dans la merde. Et au niveau fantôme, voilà, les armes de fantôme, il y aura des tactiques évolutives. Évitez la défaite lorsque vous êtes blessé. Ah, c'est pour revivre ! Pardon ? What ? La confrontation, etc., etc. Ah oui, ça va quand même être quelque chose. Alors regardons juste avant de partir de cet épisode numéro 2, les artefacts mongols. Le Harul. L'Harul est un des composants de base de l'alimentation mongole. Cette mixture à base de lait caillé, de sucre et de fruits est séchée avant d'être découpée sous des formes diverses. D'accord ? Je savais pas que ça existait. Et là, on a un témoignage. Conversation avec le Khan 1. Qu'espère donc accomplir un simple moine tel que moi en consignant mes conversations avec Kotokan. Mon but est de rapporter ses paroles et ses actes afin de contrer la méfiance naturelle des habitants de Tsushima, de nourrir une entente mutuelle et ainsi d'empêcher d'autres effusions de sang. Le Khan s'est montré particulièrement ouvert à nos discussions et étonnamment franc à de nombreux sujets, et ce bien que je ne sois qu'un simple traducteur, japonais de surcroît. Son ambition est aussi grande que celle d'un shogun, et il possède une fine compréhension de l'histoire et du rôle qui est le sien. Ça ne l'empêche pas de témoigner un vif intérêt pour notre culture et notre histoire. Quel homme intrigant. Ça va être sympa, ça, à regarder. Ça va être très, très sympa à regarder. Alors, on a donc, du coup, maintenant notre Tanto, qui est présent, à sachant qu'on peut améliorer. Il manque du fer. Beaucoup de fer. Ok. On a quoi? Une tenue avec un bandeau, du coup, maintenant. La volonté du guerrier est éternelle. Elle perdure après la mort. Je ne sais pas ce que ça fait, mais très bien. En accessoire, on a peut-être une nouvelle selle? Non, absolument pas. C'est juste pour regarder. Une musique capable de changer le temps. Mais ils sont crus dans Zelda ou quoi? On pourra changer le temps, mais pourquoi faire? Ok, donc du coup, maintenant, il nous reste le récit d'Ishikawa Sensei. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on verra ça justement au prochain épisode sur YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à écrire des commentaires. Ça va de soi. Twitch, ne bougez pas. Et YouTube, on se dit à l'épisode 3. Bye bye.